De putain! Il avance doucement dans l'autre herbe, ce bâtard. Ah. Tu veux te faire ta fête, hein? Oh ouais, je crois que je vais me faire fumer. Eh bien, salut à vous toutes et tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur The Talk of the Chibre en compagnie de Colin. Comment vas-tu, Francis? Nickel et toi? Impeccable. Donc là, nous allons bien sûr aller au Sundaparta. Partan, pardon. Donc la réserve où il y a un tigre du Bengale. Apparemment, il y aurait deux sortes. C'est ça que tu me dis, Francis? C'est ce qu'on m'a dit ouais, sur le tuto, le tigre du Bengale et tigre des neiges. Ouais, ben je vais le bengaler, moi. Bah écoutez, on va voir à quoi ça ressemble. Et puis en même temps, on a un nouveau fusil. Donc le voilà. Il est ici, Francis. C'est le nouveau fusil. C'est chassé avec l'historique carabine Gandar. Sur le coup, pardon, j'ai cru que c'était la Gandalf. J'ai eu peur. Et je vais prendre celle-ci, Francis. Et c'est parti, ma couille. Putain, je viens d'arriver, ça. Oh non. Ils ont mis des oiseaux qui arrêtent pas de gueuler. Bon, on va voir à quoi ça ressemble. Hein. À savoir les gens que je vais chasser avec le nouveau fusil. Je vais inviter Francis tant qu'il est là. Et on se retrouve de suite à Francis. Hein. Bon, bah écoutez les gens, malheureusement je ne peux pas l'inviter de suite. Alors je pense qu'il faut que je découvre... je sais pas, c'est bizarre à Francis. Hein. Et puis la femme elle est toujours en train de parler depuis tout à l'heure à Francis. Hein. C'est pas énorme. Et c'est temps de t'inviter moi. C'est quoi comme fait, hein. J'ai fait peur. Ah oui, alors il y a 13 espèces, les gens, hein, si j'ai bien compris le truc. Hein. Mais moi, je veux trouver une casa. D'ailleurs, la map, on est con, on peut l'avoir comme ça aussi. Là. Ouais, il y a des côtés montagneux, là, peut-être la neige, là. Ou alors, est-ce que c'est un cycle comme sur l'autre map où on peut trouver de la neige? Je ne sais pas. Je vais trouver une maison et je vais voir. Tiens, j'ai un vélo. Je vais monter avec un vélo, là, et j'arrive en haut, là. Ok, donc les gens, ce que je vais faire, c'est bien sûr la mission principale du tigre. D'abord, pardon, en général, je ne le fais pas, mais bah là, je vais la faire comme ça, au moins, je suis sûr, je vais tomber sur un tigre. Alors, regardez comment que c'est beau le Népal. Qu'est-ce que je raconte hein? Ah, oui, c'est beau, ouais. C'est le Népal. Hein. Alors, voilà, ce qui est dommage dans le jeu, c'est que toujours on est limité à ces fameux 450 mètres, et après, ou 500 mètres, je sais plus. Et après, la texture, c'est plus la même. Donc du coup je dois aller là-bas. Donc on va voir. Donc ce que je vais faire, je vais prendre la nouvelle arme. Dommage qu'on voit pas où c'est des civils travailler là. Tu sais des personnes tac qui font le riz et tout là. Eh hey, c'est dommage ça. J'aurais dû le mettre. Ouais, on dirait que c'est désert. Bah c'est désert, à part les bestioles. Mais nous c'est ce qu'on cherche. La bestiale, Francis. La bestiale. La bestiasse. T'as ramassé du riz, toi? T'es sûr que c'est du riz, toi, en bordel, là? Sur la table à l'intérieur, j'ai mangé des espèces de bretzel. T'as mangé des bretzel, toi? Ouais, à l'intérieur. Mais toi, t'as trouvé la belle vie, c'est ça, le délire? Ouais. Ouais, mais toi, ils te connaissent, les autochtones. Moi, ils ont peur de moi, c'est ça, le problème. Mais faut que je grimpe tout ça. Je sais pas par où je suis passé, Francis, mais je suis tombé en bas du riz, là. Je suis obligé de tout escalader, là. Ah, ça peut vite être la misère, ouais. Bah, c'est la misère. Bah, écoutez, les gens, on se retrouve quand j'aurai fini 800 mètres d'escalade de trucs en riz. Je sais pas comment ils appellent ça d'ailleurs, mais. Il y a les piafs, ils ont laissé les piafs, Francis. Ils ont laissé les piafs, Kikwin. Oh, bah, je suis arrivé en fait. Je suis un génie. Ah, moi ça, si c'est pas magnifique à Francisco de Janeiro. Vas-y, viens, on va aller chercher la casa. Je vais prendre le fameux fusil. Ouais, donc là, normalement, j'ai remis les sous-titres. Donc, hop, hop, hop. Je sais pas, on fait une prière, un truc là-dedans. Impeccable. Eh ben, Imhotep, Francis, je suis bien content de le savoir. Voilà. Je vais prendre la casa. Et là, tu me dis qu'elle va me donner la mission pour aller éclater un tigre. Taper dans le ballon ou pas?
Voilà. Voilà. Bon. Qu'est-ce que c'est qui bruit? Oh, mon chien, il est en PLS sur le. D'accord, ça Encore un m'a buffet donné de marée. une double porte, mais j'ai pris du poids là. Faut que j'arrête le McDo, Francis. T'as mangé les bretelles sur la table? Bon. Le voilà, les gens, le seul et l'unique. La bête. Peut aussi s'obtenir en terminant l'émission du scénario de la. Oh, bah, tu sais quoi? Ouais. Voilà. On peut attendre. Acheter. Donc, je vais partir avec ça, les gens. Voilà. Une Et cartouche. cher? 34 000 de Francis, hein? Eh Donc, il faut arrêter les conneries quand même, hein? Et ouais, mais tu m'as dit que le tigre, c'était combien là? oui. Catégorie Niveau 9? 9. Ouais. Ah ouais, bah avec ce fusil, je peux pas, les gens. Ou alors, je le prendrai pour buter autre chose, mais le problème qu'il y a, c'est que lui, s'arrête à de 4 à 8. Bon, ok. Je viens d'équiper le fusil, les gens. Qu'est-ce que c'est ce tromblon, mon vieux? Ah, j'aime bien, c'est top ça. Qu'est-ce qui couine là? Bon, moi je crois qu'il faut que j'active la mission parce que je ne l'ai pas, Francis. Hein? Ah, c'est dommage que c'est pas un truc de par exemple 6 à 9 quoi. Bon, tant pis, je vais essayer de voir ça. Ça y est, j'ai activé la mission, hein. Ça y est. Francis, sous-titres et tout, je vous ai tout mis, hein. Préparez un rôti. Tente. Vas-y. Ok. D'habitude, je les désactive, mais comme je vous dis, je les active. Putain, faut que je fasse 1 km 6. J'ai pas eu autant à faire, moi. Ah oui, si, ben si, il faut aller à la tour d'observation la plus proche qui est à 1 km. Attends, je vais aller voir en haut là, c'est beau là. Donc, ça c'est catégorie jusqu'à 8. Voilà, il se trouve qu'on a un tigre problématique dans les environs, Francis, et donc nous allons lui faire une fête monumentale pour l'accueillir. Un kilomètre. Ah, faut le trouver. Je vais peut-être en trouver un autre sur la route. Hein. Faut peut-être essayer mon fusil de la guerre de sécession là, ou je sais pas quoi. Bon, bah écoutez, je me dirige là-bas les gens parce que j'ai du boulot. Il y a quelques petites gouttes de pluie, Francis. Hein. Ah là, il pleure. Hein. Ah oui. Le vent est bien fait aussi, dans les arbres et tout. Ouais, comme d'hab. Hein. Comme d'hab, comme d'hab. Bon, je suis à 300 mètres de mon objectif. Enfin, juste d'aller sur le truc là. La tour de guet. Ah oui, et tu verras maintenant dans les tours de guet, ils ont fait des lits. Tu peux camper dans les tours de guet. Ça, c'est bien ça. Un camping en apesanteur, histoire de pas te faire niquer par un tigre du Bengale quand tu pionces. C'est bien foutu, Francis, hein? À l'image de la torche. Je vois que dalle. 10 tigres du Bengale qui dormaient ici. Ah. Non, je déconne, t'imagines, toi. Ah. C'est des buffles! Des marais, Francis. Il y en a un qui fuit. Ah, ils étaient pas loin, les cons. Catégorie 9. Même avec le fusil que j'ai dans les mains, bah, en même temps, si c'est pour l'essayer, tu sais pas, je vais pas le louper, lui. Ça va être la même, hein, peut-être. Non, des antilopes. De toute façon, avec le bordel Ah tout oui. à l'heure. C'est toujours pas J'irai trouvé. avec une calibre 9 sur, enfin, sur une catégorie 9 sur une antilope. Ah, c'est quoi ça? Un sac à dos? Qu'est-ce que tu fais avec un sac à dos, toi? Et par terre? Où la Lièvre ou tigresse, elle a agneau? bouffé un. Je Ah, crois que elle la a bouffé un tigresse, elle a mec. bouffé un. Ouais. Donc c'est juste pour ça que je vais faire cette mission, les gens, pour en arriver là. Et bon, en même temps pour tomber sur le tigre, mais. Ah, mais là, on Ah, mais il peut. a pas laissé que ça. Ah, il y a son corps là.
Ah non, elle a bouffé un sanglier. Il y a un sanglier là-dedans. Ça me spoil pas tout, Francis. Ah, pardon. Je vais découvrir tout ce qui va se passer au fur et à mesure de mon avance si soudaine là-bas et tout, Francis. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, je te dis plus rien. Eh, ça y dit plus rien, Francis. Il veut bouder. Non, je déconne. Un Alors. petit tigre tarin me dit, je sais pas ce que c'est. Un tigre taring, c'est un tigre avec un long pif. Un taring, c'est un gros nez. Un tara. J'ai bien compris. Donc, moi je suis rentré là comme à la casa, Francis. Ouais, ça fait office de maison, ouais, bien vu. Ah, il y a du gibier là-bas, c'est sûr, non? Attends un peu. Peut-être que j'ai dit une connerie, Francis, mais j'ai l'impression que. Qu'il y a du gibier, ma couille! J'essaye même pas avec mon vieux fusil là. Ah, déjà, je vais réteindre ma torche. Ouais. Bon. Allez, viens ici. Ça, la femme, elle va me parler encore. Faire... Voilà. On peut avoir des orages. Les autres cartes, il y avait des orages? Il y en a une, mais je crois, mais c'était très rare que tu. Elle va tomber dans ah les ben mains là, de apparemment, il y en tigre. a. Un prélèvement éthique et consulter les détails de ton assistant. Quoi? J'ai pas d'assistant, je travaille tout seul. C'est moi ton assistant. I'm sure you understand why we want to make sure you can choose the right specimen and land an ethical shot. Ouais. Ok. Je vais sur mon téléphone. Prélever un animal de façon éthique. D'accord. Alors les gens, ma mission est tout simplement de prélever pour l'instant un animal de façon éthique. Eh ben, on va aller voir cela. J'ai tous les buffliers là, très anciennes. Ils étaient pas en face tout à l'heure quand je regardais de la tour là, au niveau du lac. Ils sont près du lac, moi j'en ai vu près du lac, ouais. Ah, ils sont prêts, ouais. En tout cas, ouais, c'est joli comme d'hab. Bon, c'est pas grave, ça fait demi-tour, mais je vais trouver d'autres gibiers sur ma route là. Je fais une visite guidée, Francis. Et après, on va aller trouver. The Tiger. Et qui c'est que je viens de voir là-bas? Antilope catégorie 3, je peux même pas la tirer avec mon vieux fusil quoi. Ah. Ça me servir à rien ici, Francis. Et tous ces buffles là. Ah, je les ai tous ratés quoi. C'est le mieux. Putain, il y a les hautes herbes là, c'est chaud là. Allez, fuis, toi. Ça fait chier, il y avait un troupeau de buffles, j'ai tout raté, quoi. Voilà, je vais te laisser crever. Façon éthique, on a dit. Ah, tu te calmes, d'accord? Même pas si j'ai fait grand mal. Et qu'est-ce que tu foutais tout seul, toi, la bestiole, là? Attends, qu'est-ce que j'ai mis? Ah ouais, très faible, j'ai tiré comme une merde. Mais en même temps, je viens de me réveiller, Francis. Toi, qu'est-ce que je veux ah. dire? Je peux pas retirer dessus vu que j'ai tiré 2 balles, après ce sera pas. Putain, elle fait quand même une tonne pour une femelle. Ouais, non, mais elle crèvera jamais. N'est-ce pas magnifique, hein, Francis? Donc là, du coup, bah, je m'approche sur d'autres buffles là. Et me revoilà. Ouais, pour essayer de faire une bonne. Un nice shot, man. Oh nom de Dieu, je vais t'en faire une chasse éthique, moi. Ma forme sans incivée. Oh oui. 50-75 d'un coup, il descend plus, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ouais, j'essaye sur vous tous, il y en a bien qui va me faire une chasse éthique à Francis. Hein. Ah ouais, je sais pas, c'était bizarre, il y en avait, il était descendu, alors est-ce qu'il avait déjà été blessé? Je ne sais pas. Je ne sais point.
qu'il y a de sûr, c'est que... Oh bah, il y a un mort ici. Bon, mais j'espère que c'est bon cette fois-ci, Francis. Quoi, cette connerie, là? J'arrive pas à tirer, moi. Ah bah non, zéro, allez, casse-toi. Bon, je l'avais déjà touché d'avance, celui-là, en fait. C'est pour ça, Francis, hein? Ouais. Bon, j'ai deux cadavres sur le pont, Francis, hein? Moi j'ai un cadavre, mais je sais pas où il est, c'est Ah, une oie, j'ai voilà, tiré à la celui-ci est McDonald's un donc. or et j'ai quand même réussi à lui toucher quelque chose de mignon. Ah ouais, moule à gaufre. Merde, j'ai pas remis mon écran correctement. Voilà, c'est le mieux. Acceptez le... Pouf. Voilà, prélevé. Ah c'est bon, je la vois. Valider le trophée bronze. Ou cendré. 3 kilos. Du coup, qu'est-ce qu'elle veut? Tu aimes la nourriture? Ok, maison d'hôte. Mission terminée. Avant la tempête, nouvelle mission. Ouais, le tigre, je vais m'en occuper du tigre. Je vais te faire une chasse éthique aussi avec. Chasse éthique du tigre. Tu connais Francis, hein? Je connais. Putain, ouais, les gens, vraiment un nerveux. lièvre. Où que c'est beau ça? Où que c'est beau? Un bar à Singa, Attends, calme. Francis. Côté. Pseudo-mélanique. Parce que là, tu m'as parlé d'un autre gibier là. Ouais. Ils sont au bord de l'eau en train de boire du bar à Singa. Ouais, je sais pas. Dérisoire et l'autre il est. Putain! 2,5 km à faire. Ok, donc là, faut que j'aille où la tigresse a été vue tout simplement. Et eh ben on va aller là où elle Merde, était vue. crédit. Heureusement que la plupart des gens... Bah c'est le mieux hein. Qu'est-ce que t'en penses Francis? La femelle. Eh oui, femelle à 142 kilos. Pas terrible. Peut mieux faire. Ouais. Quand est-ce qu'elle arrête de parler hein? Oh. Mais elle arrête pas. Oh merde. Je vais bloquer les communications, madame, si tu arrêtes pas de parler là parce que tu commences vraiment à me gonfler. Qu'est-ce que je vais te dire ou pas? Ah, en même temps, c'est utile, les gens. Puis ça vous explique un peu le pays et tout et tout. Bon, Ça. et sur la route, t'as pas croisé d'autres tigres que celles que tu dois aller chasser? Non, si deux, j'en ai vu deux. Ah bon? J'ai eu. Oh ouais, j'en ai tué deux. Ouais, mais avant de trouver la tienne, de trouver Ah ouais. celle de la mission. C'est ça, j'en ai trouvé deux. Ah Je les ai tués, mais ouais. c'était des petits. C'est pas grave, je vais les buter quand même, Francis, hein. T'inquiète, t'inquiète. A gueulé le J'arrive chien. sur la zone de la bête qui a été vue pour la dernière fois. Par là, regarde, il y a des empreintes, Francis. Je suis au niveau d'un lac et il y en a partout des animaux. On fait ce qu'ils appellent un massacre. Oh putain, ils me disent d'aller encore à 900 mètres. Tu l'avais eu avant les 900 mètres, la femelle, ou faut vraiment aller à 900 mètres? Ah, faut aller à 900 mètres, après ils te demandent 3 km. Là, je suis plus qu'à 1 km. Lol. Ouais, donc pour la Moyen. mission, les gens, de toute façon, ça sert à rien de la pister parce qu'il faut, quoi qu'il en arrive, aller sur l'autre point. Donc, je vois pas pourquoi ils nous demandent de la pister alors que il faut aller sur l'autre point qu'ils nous reparlent d'elle encore et encore et encore. Bon, les gens, j'arrive vers le énième point jaune de mission. C'est pour ça que j'aime pas faire les missions. Donc, qu'est-ce qu'ils vont me dire maintenant?
Sac à dos de Francis. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Non, elle a tué un cochon, Francis! Ah, fallait interagir, d'accord. Elle a tué un cochon, alors là, je vais la buter. Là. Ah ouais. Sac à dos. Ok, qu'est-ce que tu veux? Après du bétail, à moitié dévoré. Bon, ben je vais attendre le prochain point jaune. Ok, donc il faut que je continue à suivre la trace de la bestiole. Un orage. Vas-y, fais péter l'orage. T'as eu un orage, toi? Ah, pas encore. Bon, mais je sais pas, parle de... De l'orage. Mais j'en ai pas. Donc, là, c'est revenu au beau temps. Ouais. Alain Palaineux, Francis! Un rabbit! Bah écoute, pour l'instant, ça tonne pas. Bah, ah, elle a dit la pluie efface les traces de la tigresse. Ouais. Donc ça fait qu'après, on va peut-être pouvoir la suivre de nous-mêmes. Tigre du Bengale. Ou pas. Il y en a une dans le coin, Francis. De 7h à 10h du matin. Je suis pas à la bonne heure, hein. Et moi, je vais faire le paysagiste. On prendra quand tu seras là où je suis. Voilà la tempête. Argent obtenu, c'est cool. Tiens, ça y est, on m'a passé quelqu'un d'autre au téléphone. Impeccable, Francis. Hein. Impeccable. Ah. Parce que c'est comme carcasse, c'est ça, Francis? Mais... Il a fait de la carcasse, hein, Francis, hein, je te le dis. Peut-être t'en avais croisé deux avant de trouver la femelle. Ah bah, ben, mon vœu. Comme je dis, c'était des petits, hein. Je n'ai même pas un café, moi. Bah, la femelle, j'en avais, j'étais très sûr, hein, là, mais il n'est pas gros. C'est quoi ça? Ah, le Majak indien. Qu'est-ce donc ce coupe-jarret, messire? 3 km. Oh non! Ah, il est bizarre, le bestiau, là. Truc indien, là. Ouais. Catégorie 2. Je vais le laisser tranquille, le bestiau. Ouais, je peux pas le tirer avec aucun des fusils que j'ai pour l'instant, de toute façon. Mais tu peux partir, Francis, hein, casse-toi. Hein. C'est pas toi que je cherche. Hein. Bah oui. Hein. Ah, bon. J'en ai un là. Il va tomber. Il est tombé. La chemise. Ouais. Par contre, j'ai l'impression qu'il était en train d'essayer de me chasser, je sais pas. Ah! La démarche et tout, j'ai bien aimé. Ça va pas durer longtemps, Francis, hein? Il s'est pris une cartouche. Une balle plutôt, ouais. Qu'est-ce qu'il veut lui? Putain, il est beau lui. Ça pique un peu plus celle-ci ou pas? Ouais, ça pique. Il me renvoie à 2 km. Ouais, il tombe. Ah, toujours pour la mission là? Ouais. Bon. Mais ça va, j'ai un spot pas loin pour apparaître. Rendez-vous au point de chasse. On dirait qu'ils ont refait les. Ah, ils ont des trucs sous les oreilles quoi. En or. Mais oui, je l'ai défoncé, France. Il est où mon tigre? Bobby. Il est là. On va chercher le tigre del Bengalo. C'est le tigre del Bengalo, Francisco de Janeiro. Ils disent que c'est une mangeuse d'hommes. Tigresse.
Elle est belle, hein. Bronze. Ouais, c'était une petite celle-là. Mais je l'ai éclataque, ce moule à gaufre. Pas me laisser Ce qu'il emmerder par faut. un tic du Bengale. Allez, casse-toi. Bon, j'ai 3 km à faire, je vais peut-être tomber sur un autre, hein, Francis. Hein. Faut que je trouve des traces. Des traces de ces prédateurs mortellement mortels. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Allez, tout à Putain, fait. t'en as de la chance. Hein? Je crois que je me fais chasser. Ah, tout à fait. Ouais, j'ai entendu un grognement et. Sachant que tu vas y passer, toi. Je crois qu'il est dans l'herbe, il avance doucement. Ah oui, il vient de poser un strong ici. De putain! Il avance doucement dans l'autre herbe, ce bâtard. Ah. Tu veux te faire ta fête, hein? Oh ouais, je crois que je vais me faire fumer. Wow, regardez comment que Le ça me magnum sur gueule. toi? T'as pas le pistolet, le magnum sur toi? Il dit mettre une frite. Ah, il m'a séché directement, quoi. T'as défoncé? Et il me bouffe! Il me bouffe! Ah. Il m'a pas respecté, le bâtard! Ah. Ah ouais, ça c'était beau, j'ai bien aimé l'attaque, franchement. Mais alors la chasse sur l'être humain est super bien foutue. Mais je te jure, c'est l'autre herbe en fait, je le voyais pas. D'accord. Il y a qu'après quand j'ai réussi à le spot que je l'ai vu, que j'ai tiré dessus quoi, mais ouais. Il m'a mis ma race, Francis, il m'a buté, hein, le tigre du Bengale. Ah ouais, j'ai trop aimé l'attaque. Franchement, alors là, les gens. J'aimerais en avoir une, tu vois. Ah ouais, mais tu sais, il était bas, il avançait, tu sais, comme un félin, quoi. Ah ouais, Et comme puis un chasseur. Ouais. puis doucement, je l'entendais grogner dans l'autre herbe, mais je le vois pas, quoi. Et il est sorti d'un coup. Ah ouais. Ah, j'ai bien kiffé. Bon, ben j'ai de la route à faire encore, bordel. Ouais, je suis en train de penser, là, maintenant que Platy m'a bouffé, là. Ouais. Avec le poc, il a dû bouffer 90 kilos, là. Maintenant, ça doit être un œuf légendaire, le bordel, Ah. là. Il a grossi la bête! Bon, mais j'avance, j'avance. Hein. Et tu vois, c'est un peu comme le premier que j'ai tué. En fait, il était, tu vois, à la tête baissée, puis mais il était un peu plus éloigné, lui. Mais bon, quand j'ai tiré dessus, par contre, il s'est barré. Mais lui, il s'est pas barré. Hein. Il m'a. Bah, il m'a Il y en fumé. a encore plus, quoi. Ah, j'ai mis un coup. Mais là, il doit être mort, là. Il est mort, il est mort. Je vais aller voir. Oh putain, je crois que j'en ai trouvé un autre. Ah, je grogne. J'ai peur. Non, non. J'ai trouvé ces traces. C'est une femelle aussi ou pas? Ouais, bon, je vais pas m'occuper d'elle de suite. Sinon, j'ai la zone maintenant sur la carte. Là où elle mangeait. Sinon, c'est entre, je crois que 7, 8 du matin jusqu'à 10. Là où ils mangent. Mais moi, ils m'ont pas bouffé à 10 h. Hein. Bah ouais, Francis, ils m'ont pas bouffé à 10 h. Ouais. Bon. Il y a des petits rabbits. Et les nœuds? Ouais, oui, c'est les bébés, ça. Il appelle les nœuds? Il y a partout, là. Allez, fuyez, les petits rabbitous. Dépêchez-vous, il y a le tigre du Bengale qui traîne dans le coin, les Francis, hein. Ah, j'en ai plein devant moi, quoi. Allez, Pecho! On file, on file. Ouais, Mais vous c'est un êtes. truc de malade. 7 h le matin, y a pas d'animaux dehors, quoi. C'est. Ils dorment. Ce qu'ils foutent, mais. Pour la sieste, Francis. Et ils sont en catégorie 6, ces bestioles. Je crois que t'as tiré complètement à côté, Francis. Bah les gens, j'arrive pas à retrouver mes bestioles.
Emplacement là-bas, 200 et quelques mètres. Qu'est-ce que j'ai été tiré là-bas? J'ai rien été tiré, moi. Je comprends pas. Je pensais que c'était derrière, mais bah je trouve pas. Ah non, là c'est les buffles. Ok, bon, ben bah, c'est pas là. C'est pas ici. Je crois que. Il y a un tigre du Faut la Bengale voir. devant moi qui m'a fait un cri. Il a Ah miaulé. merde. Ah, il a miaulé, Francis. Mignon là. Non, mais c'était pas un cri d'attaque, je Mignon. pense plutôt qu'il cherchait à se barrer. Alors, je peux pas dire s'il a fui ou pas. Mais il y en a un dans le coin. Pas le bon fusil, ça. Ça me dit que ça part derrière, mais non, la trace était bien partie devant là. Alors, est-ce qu'ils faisaient comme les pumas ou je sais pas quoi là? Tu les entendais quand ils partent, ils chassaient. Parce que moi j'étais loin de lui donc. À part que c'est un endroit. S'il faut, je vais encore me faire soulever dans les hautes herbes. Ah. Il se cache, Francis! Bah écoute. Ah, ça me dit que les pattes partent derrière, mais. Bizarre, ça a gueulé devant. C'est ça que je ne comprends pas, Francis. Ah non, ça part bien derrière, apparemment. Hein. Et non, non, les traces remontent bien. Hein. Donc il est bien quelque part plus loin devant. Il vient de faire un cri d'accouplement devant moi. Barasinga, oh ça c'est beau ça. Ah c'est beau, dites-moi qu'il est pas loin. J'aurai la quête. T'es où, Tigrou? Doit pas être bien loin. Hein. Ah, il a fait un cri d'accouplement, donc. Je vais dire à mon chien de chercher les traces. C'est le mieux. Il est devant moi. Merde, il me voit. Je crois qu'il m'a pris en chasse là, Francis. Moi, je crois que mon chien, c'est un abruti, il va pas chercher le. Il va tomber. Tomber à la chemise. Il est tombé. Où tu vas tomber? Il est mort. Il est mort, France. Pour l'instant, j'ai pas vu de mal. C'est vrai, toutes les traces que j'ai vues du tigre, j'ai pas vu un mal. Tu as vu un mal, toi? Non. Pas que j'ai de Non. mal. Les Ok. femelles. Ah, ils ont pas mis. La flemme. Eh ben, le tigre du bungalow. Ah, c'est une femelle, ouais. Ah, comment je l'ai mis. Carrément envolé, quoi. Je l'ai éclataxe. Ok. J'avais trouvé des traces de Brasinga, mais impossible à retrouver. Disparu l'animal. Volatilisé. Are Ah. you both okay? Bon, bah, du coup, I'm les gens, fine. j'ai avancé dans la mission I'm quand même. fine. Hein. The tiger. It attacked Suraj. I had to shoot it. Can you hear me, Suraj? He's a neighbor. He is bleeding. But he is speaking with me. The tiger was already on him when I arrived. If I had not taken that shot right away, he would have died. We're lucky that you were able to react so quickly. Good work. I need to take care of him now. Can you take care of the tiger? Follow the blood trail and find the corpse of the tiger. Ah ouais, d'accord. Je vais bien, mais faut aller où? Là-bas. The corpse. Are you sure she's dead? T'es sûr qu'elle est morte? Yes, I am sure. I had a good line Bah of je vais pas shot te and my spoil, man is a Francis, hein. butcher. The man eater will not suffer. T'es mort, Francis? Ah non, je suis là, j'étais concentré dans mon truc, désolé. Concentré de tomates et I tout et hope tout? Suraj's injuries aren't too serious. Ouais.
Bon bah écoute. Tu l'as vu ou pas? Bon bah comme dit les gens, du coup bah je fais la mission vu qu'apparemment je suis sur la fin. Hein. Et comme vous l'avez constaté, voilà, elle est soi-disant blessée, mais le mec qui pense qu'elle est morte, mais à mon avis. Voilà, tu sais à quoi t'attendre, Kaolan, hein? Après, je sais pas, je suis pas arrivé sur le lieu du drame. J'arrive. Donc, j'arrive apparemment sur le lieu où il y a un mec qui a été blessé. Bah, vu la trace de sang qu'il y a, elle est morte, hein, Francis. Oh, cette flocasse qu'il y a, mon gars. Hein? Ah ouais, truc de ouf. Ouais. C'est une boucherie. Hein. C'est comme quand tu fais un double poumon et tout ça là. Hey. Mais toutes les taches sont comme ça quoi. Je veux dire, c'est un tigre neuf légendaire peut-être. Va savoir, Francis. Il est blessé et énervé en tout cas. Ça signifie que les tigres sont devenus plus nombreux. Ouais. On va voir. Hein. Ouais, elle va y aller, c'est l'autre herbe là-bas, tu vas voir, je vais me faire fumer. Oh putain! Oh si, ça pue! Bon, je suis à 200 mètres de la. Oh putain, il y avait un mâle! Il s'est barré. Il y avait un mâle. Ah oh putain, j'aurais su, bordel. Putain, sa mère, je vais mettre une tente et je vais le retrouver tout à l'heure, les gens. Oh, je vais le fumer. Oh, tu vas me donner une tente, eh? Mais casse-toi le caniche, je peux pas mettre ma tente. Ah, j'ai mis une tente, les gens. Hein. Il y a un mâle là-bas, donc. Je vais me parfumer un petit peu pour lui aussi tout à l'heure. Bon, bref, je vais avancer sur la femelle et on va voir. Ce qui va se passer. Bah écoute, là j'ai envie de te dire, je suis sur les lieux. Il va m'arriver quoi là? Je vais sortir des buissons et je vais encore me faire retourner. Elle est morte. Croc de tigre abîmé. Les crocs de la tigresse étaient abîmées par un tigre. Attends, par un tir de balle. La blessure semble datée. Pourquoi mon chien il aboie? Ah, pas bon Je pour me toi. Suis attaqué. J'ai bien mis de mettre du temps, je suis mort. Mort? Ouais, il est en train de me bouffer encore. Bon. Vous avez fini de me bouffer, ouais. Du coup, ouais, j'ai rien compris ta à ce qu'elle m'a dit à la mission. Ouais, j'ai examiné. Oh, je t'ai vu, mon cochon. J'espère que tu l'as pris celle-là. Donc en fait, par contre, ouais, c'était en examinant le corps de la tigresse, là, il est venu m'attaquer normal. Je sais pas s'il est touché. La mangeuse d'homme. Donc c'est fini la mission là? Bah ouais. Lol. Elle est grosse? Bah non, c'est une femelle. De toute façon, tu la tues même pas. C'est un peu con, je crois. Si j'ai bien compris le délire. Il y en a un qu'il faut que je retrouve là. C'était un mâle. Putain, il est gros en plus. Et je crois que je l'ai mal touché. Et ça, c'est très con aussi, ça. Ah. Ouais. La tête? Je sais pas, j'étais trop loin, j'aurais dû le pister. Ouais, saignement très faible. Peut-être moyen que. Ouais, je vais essayer de voir. Hein. Je crois que je l'ai retrouvé, qu'il m'a retrouvé aussi. Coucou mon cochon. Cette fois-ci, tu dors. Merci. Et la distance. En fait, il m'a contourné, les gens. Je l'ai suivi, ses traces montaient là-haut, blablabla, et.
Il fait que me contourner, Francis, le tigre du Bengalou. Hein. Par contre, il est beau, hein, de Dieu. Ah, c'est un argent, dommage. Ça aurait dû être un or. Bon, mais c'est pas grave. Cher crâne mâchoire. Ah, il faut pas y tirer dans la tête. Eh ben oui, Francis. Tu tires dans le crâne, ma couille. Bon, ben impeccable. Hein. Allez, ça dégage. C'est dans la boutique. Bon, ben écoutez les gens, c'est ici qu'on va se laisser. Je remercie Colin. Merci à toi, Francis. Ah ben merci, c'est une super partie. Ouais. Bon, ben la prochaine fois, on Bon fera multi, DLC. mais là, on n'a pas pu. Ouais, très bonne élection en tout cas. Et puis, j'adore vraiment l'attaque des tigres parce qu'ils sont pas là pour rigoler, Francis. Hein. Et puis, ce qui est bien, c'est que J'ai quand pas vu vous... encore. Ouais, puis quand ils vous chassent, comme vous l'avez vu, bah, ils vous contournent et ils vous attaquent, ils sont malins. Hein. Voilà, bah, écoutez, en espérant que ça vous a plu, c'est le cas, mettez un petit pouce, moi je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao Francis, hein? Tigre, Ah. un galou, là. Sale, traître.